Une transmission réussie, c'est avant tout la pérennité de l'entreprise. Et pour atteindre cet objectif, eh bien, il faut que ce soit un travail gagnant-gagnant, même si on l'a fait dans un esprit où c'était pour le bien de tout le monde. Les négociations sont souvent difficiles. Que moi, dans mon entreprise, j'ai surtout des compétences bonnes pour l'entreprise et non pas pour la transmettre. Bonjour à tous, je vous présente Michel Guimant, cédant de l'entreprise Bossard ici en Vendée. Michel, pouvez-vous nous présenter cette belle entreprise? Bonjour à vous. Donc l'entreprise Bossard à La Roche-sur-Yon, une centaine de personnes dans le domaine de l'électricité, courant faible, courant fort, contrôle de procédés, informatique industrielle. Quel a été votre projet de cession? L'âge de la retraite arrivant, il était important pour la pérennité de l'entreprise de faire une reprise d'entreprise de qualité, hein, de façon à mettre tous les atouts du côté de l'entreprise. Comment s'est passée cette session? Eh bien, cette session s'est bien passée grâce au travail d'Acticam qui a fait un mémorandum, qui a recherché des acheteurs potentiels qui me les ont été présentés. Et là, on a monté des dossiers très importants. Et après, ça a été des négociations et Acticam m'a accompagné en permanence pendant toute la session. Cette opération a duré plus d'un an. Et alors, la valeur ajoutée d'Acticam? Acticam a toujours été présente et a toujours participé aux négociations. On a toujours échangé ensemble avant de prendre les décisions et jusqu'à la signature. Au niveau des attentes, des recherches, des négociations. L'accompagnement est vital. La négociation a eu lieu et ça a été toujours l'un avec l'autre de façon à ce que l'entreprise soit pérenne. Une transmission, c'est l'un avec l'autre, gagnant-gagnant. Merci Michel. Je vous en prie.